Mesdames, messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Élysées est toujours l'une des plus convoitées. Dans le passé, des sprinteurs qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre. Mais ça ne s'est pas produit très souvent. Et avec les spécialistes qui dominent actuellement l'exercice, le défi s'annonce encore plus relevé. Les coureurs longeront les quais de Seine, passeront devant la Tour Eiffel et emprunteront le pont Royal pour atteindre le circuit final. Secondes d'avance. Les premiers entrent maintenant sur le circuit des Champs-Élysées. Car il trouve sûrement l'échappée trop imposante. Si tu te sens fort, attaque pour former un groupe plus petit. Un sprint intermédiaire sera disputé au deuxième passage sur la ligne. Peloton roule fort, restez bien placé. Premier tour autour de l'Arc de Triomphe. L'écart avec la tête reste stable. Le circuit contourne le jardin des Tuileries en empruntant le tunnel. Les coureurs ressortiront rue de Rivoli et reviendront vers la ligne d'arrivée. Il va falloir rouler fort maintenant pour reprendre l'échappée. Avec cette avance, ils peuvent y croire. L'échappée perd du terrain. La tête de course est à 3 km du sprint intermédiaire.
L'écart augmente. On n'a pas besoin de rouler pour le moment. Il n'y a personne de dangereux pour nous dans l'échappée. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Les hommes de tête passent sur la ligne. Il leur reste 3 tours à parcourir. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Il fait rouler ses équipiers car il trouve sûrement l'échappée trop imposante. Tu te sens fort, attaque pour former un groupe plus petit. Les compagnons d'échappée ont l'air de vouloir accélérer le rythme. Vous avez 30 secondes d'avance. Si on veut jouer la victoire au sprint. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. L'écart reste stable entre le peloton et l'échappée. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. L'échappée est en train de résister au retour du peloton. Mais ça va être compliqué.
L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Dernier tour pour l'échapper. Ce serait quand même étonnant de les voir aller au bout. Le peloton n'est vraiment pas très loin derrière. Regroupement général, tout va donc se jouer dans le final. Celui-là, il essaye de piéger les sprinteurs. L'échappée est dans le tunnel. Elle continue de résister au peloton. Mais ce sera compliqué. Il faudrait vraiment un véritable exploit. Peloton groupé. La tension est à son maximum. Les poissons pilotes vont bientôt s'écarter pour laisser la place à leur sprinteur. L'échappée fait de la résistance, c'est tendu. Derrière, les équipes de sprinteurs sont en train de lancer le sprint final. Allez, à kilomètre de la fond. Attention, on va pas tenir ce rythme très longtemps, tu risques une défaillance. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées. Maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Au cours de ces 3 semaines de course, il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France. Bien joué. Il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui. On l'applaudit bien fort, il rentre dans l'histoire du cyclisme. Régulier tout au long de ce tour, il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires. Voici le meilleur sprinter de cette année, Primož Roglič. Vous pouvez le féliciter, c'est amplement mérité.
toujours présent aux avant-postes. On peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à poids n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition, Guillaume Martin. Allez, on l'applaudit bien fort. Avec ce maillot sur les épaules, nul doute que nous devrions le voir jouer les premiers rôles pendant quelques années encore. Veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce tour, Tadej Pogačar. Applaudissez-le comme il le mérite. Le résultat n'est clairement pas à l'auteur de mes espérances. C'est pas catastrophique, mais quand on envisage la gagne, c'est forcément des...